Je vois que tu as trouvé le palais dans les nuages, la base opérationnelle de l'homme cerf-volant. Peut-être que tu le trouveras à l'intérieur. Viens, Minou. Minou, viens, Minou, j'ai juste besoin d'un petit sniff pour me donner un coup de boost. Toi, bordel! Non mais sérieux! Tu m'envoies un noob après mon signal de détresse? T'es un vrai connard, le coon! Désolé, gamin, mais j'ai un problème bien trop important pour un débutant. Il y a quelques jours, une anomalie s'est produite dans l'univers. Une autre version de moi. L'homme cerf-volant d'un autre univers s'est pointé ici. Il détruit tout, il est dans ma chambre et rien ne peut l'arrêter! L'homme cerf-volant d'un autre univers se trouve derrière cette porte. Je peux pas le combattre, pour des raisons évidentes. T'imagines bien. Distorsion d'univers parallèle et tout le toutime. Alors c'est toi qui vas t'en charger. Tu dois lui botter le cul pour qu'il retourne chez lui. T'as compris? Chope-le! Oh, salut Kyle, me revoilà! C'est qui ton copain? Il est venu jouer avec nous? Bon, moi d'un autre univers. Il est temps pour toi de repartir d'où tu viens. Ben quoi Kyle, on est une équipe, je te rappelle. Je suis pas d'un autre univers, on est des super potes. Comme tu peux le constater, c'est lui qui entache la réputation de l'homme cerf-volant. Il a été envoyé ici pour me détruire et saper mes pouvoirs. Non, je suis venu passer 2 semaines avec mon cousin et j'ai voulu jouer au super-héros. Alors il a dit, ok, tu vas être lequel? J'ai dit, l'homme cerf-volant. Et il a dit, tu peux pas être cerf-volant parce que c'est moi. Alors j'ai dit, pourquoi on serait pas l'homme cerf-volant tous les deux? Et je suis allé voir Tanchela et je lui ai tout raconté. Et elle a dit qu'elle devait faire comme je voulais parce que c'est lui qui invite. Tu te rappelles? Je suis désolé, moi, d'un autre univers. Mais il est temps que t'apprennes que jouer au super-héros, ça fait mal. Le nouveau, tu dois détruire mon alter-ego, maintenant. Oh, seigneur, on va se battre. Eh oui, mec, si tu veux jouer, alors c'est comme ça qu'on fait. Bon, bah d'accord. Si ça peut me rapprocher de mon cousin, prépare-toi à combattre à Vorton. J'ai jamais fait beaucoup d'entraînement. C'est un truc sans contact. Full contact, pas d'entraînement. Alors j'ai peur de devoir refuser, je n'ai pas mes protections. Oh, pas question! Chope-le, le nouveau! Cousin Kyle, on peut le battre si on unit nos forces. Ouais, j'aimerais bien, mais les règles des univers parallèles sont contre. Ouah! Oh, je vais avoir besoin de ma bonbonne de pommade et d'aide pour l'étaler, s'il vous plaît. J'y suis pas allé trop fort, je voudrais pas que t'aies des séquelles. Oh les mecs, t'en mords, je commence à avoir des vertiges. Ah seigneur, vas-y à fond. Ouf, attention s'il vous plaît, j'ai un grand nombre d'affections que je tiens pas à aggraver. Ok, le liquide de mon oreille interne s'est stabilisé. Le dernier coup comptait pas, hein. J'étais dans les vapes. Phew. Un grand classique des conneries d'univers parallèles. Tes parents t'ont jamais dit de pas jouer avec le feu? Regarde ce que t'as fait. Une seconde, j'ai besoin d'un temps mort pour utiliser mon inhalateur. Ah!
cousin Kyle, j'ai demandé un temps mort et il n'a pas écouté. Tu sais que mon asthme revient dès que je fais de l'exercice. Ouais, je crois que ça serait plus juste si j'avais un bouclier ou un truc comme ça. En l'occurrence, ce sphère thorac a aussi une grande valeur sentimentale. Mec, l'homme cerf-volant est un extraterrestre. C'est pas des trucs juifs. Et tu peux pas inventer des pouvoirs en plein milieu d'un combat. Je n'invente rien, c'est tout à fait légitime dans mon autre univers. Quelqu'un aurait de l'hydrocortisone en crème, sur ordonnance de préférence. Attends, je pense que ça devrait être mon tour, pas celui du nouveau, parce qu'il a pas attendu tout à l'heure quand j'ai demandé une pause, donc je pense que ça devrait être à moi. Tu plaisantes? C'est carrément de la triche! Oh mince, je pensais pas que je te frapperais vraiment. Ouah, ça a l'air très dangereux. Très bien, c'est parti pour mon super pouvoir ultime. Prépare-toi, t'es prêt? Oh, putain! Ok, colère du cerf-volant d'un autre univers. Ah, mon Dieu! Je crois que j'ai rompu mon hernie. T'en as assez de mon moi alternatif? Ouais, ce truc de super-héros, ça fait un mal de chien. Je ferais mieux de regagner mon univers. Oh, tu t'en vas? Ça craint. Ouais, je vais regagner mon univers, homme cerf-volant. Il me faut du campophénique pour mon oreille. J'ai récolté une égratignure en me faisant péter dessus. Mec, je sais pas comment te remercier, mais désormais, compte sur moi si t'as besoin d'aide. T'es qui? Ok, ouais, juste deux héros en train de glander. Youpi! Chouette!